Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans la classe virtuelle. Je vous rappelle que pour être noté présent, il faut répondre au mail sur MBN qui est le seul moyen que j'ai pour que vous soyez authentifié et reconnu. Donc vous vérifiez bien que c'est le mail daté du 28/05/2020 et là-bas vous mettez votre nom, votre prénom et votre classe, et vous êtes noté présent. Dans le chat aussi, nous devons faire des statistiques, m'a-t-on demandé, de l'option que vous allez choisir pour septembre. Donc merci de me mettre l'option. Je vais faire donc un pointage statistique sur l'option de septembre. A tout de suite pour le pointage des gens qui sont présents. Voici donc
Voici donc le pointage des gens qui sont présents Voici donc le pointage des gens qui sont présents ce jeudi 28/05/2020 en classe virtuelle avec les 1 STMG2. J'ai donc en premier lieu Evanaël qui est présente, Chérine qui est présente, Marwan qui est présent. Marwan qui est présent. Romain qui est présent. Nicolas qui est présent, Romane, qui est présente, Corentin, qui est présent, Amine, Thomas. Qui est présent, Paola, qui est présente, Fanny, qui est présente, Elliot, qui est présent, Mylène, qui est présente. Et donc, nous avons pour faire le point, Chérine, Marwan, Romain, Evanaël, Nicolas, Thomas, Mylène, Paola, Amine, Fanny, Corentin, Elliot et Roman. Voici. Je répète, ceux qui sont avec moi aujourd'hui, le jeudi 28/05, Chérine, Marwan, Romain, Evanaël, Nicolas, Thomas, Mylène, Paola, Amine, Fanny, Corentin, Elliot et Roman. Je vais faire des séries statistiques sur votre option, s'il vous plaît. Dans le chat de MBN, vous me mettez le nom de votre option de septembre, s'il vous plaît. Bonjour Romain. Alors, je vais pour la énième fois indiquer la procédure qui est maintenant mise en place depuis un bon bout de temps. Vous allez sur MBN, comme ceci, vous allez sur MBN et vous choisissez mes portails. Dans mes portails, ici, la souris est à droite,
vous mettez institution Sainte Clotilde. Dans Sainte Clotilde, vous mettez la souris complètement à gauche et vous avez accueil. Dans accueil, vous avez juste en dessous messagerie. Quand vous cliquez sur messagerie, vous avez en gros et en gras reçu. Vous cliquez alors sur reçu. Lorsque vous cliquez sur le mail qui est en gras devant tes yeux, tu prends ta souris avec la molette. Tu descends tout en bas et ici, comme je vous le montre sur YouTube, tu fais répondre à tous. C'est le seul moyen pour être noté présent, comme le font à l'instant même, d'ailleurs, que vous voyez, Baptiste, noté présent, Nicolas et Corentin. Voici. C'est pas plus compliqué que cela. Malheureusement, sur YouTube, tu n'as même pas mis ta photo et YouTube ne te demande pas de te brancher avec une authentification. C'est pour cela que seul MBN est la méthode utilisée. Je rappelle ceux qui sont présents. Je rappelle ceux qui sont présents devant moi sur MBN. Voici leurs prénoms. Chérine, Marouane, Nicolas, Romain, Evanaël, Nicolas, Thomas, Mylène, Paola, Amine, Fanny, Corentin, Elliot, Baptiste et Roman. Alors, effectivement, merci ceux qui ont répondu toujours. Evanaël en premier, etc. On m'a demandé, donc je note Evanaël, ressources humaines, Roman, ressources humaines, Elliot, mercatique. Donc j'ai demandé que vous me mettiez, s'il vous plaît, le nom de votre option afin que je puisse la noter, pas pour moi, mais pour des raisons statistiques. J'ai besoin de connaître l'option de septembre. Elliot, mercatique. Chérine, RH. Et communication. Très bien. Je n'ai eu que 4 réponses sur l'ensemble des jeunes qui sont avec moi. S'il vous plaît, les autres. Voilà, nous avons Amy qui est arrivée. Bonjour, mais je t'en prie, Amy. Bonjour, Amy. Bonjour, Enzo. Et bien sûr, bonjour, Axel. Merci d'être présent. Je répète que j'ai besoin d'abord à tous ceux qui sont là et nous allons répéter leur prénom. Chérine, Marois, Nicolas, Romain, Evanaël, Nicolas, Thomas, Amy, Mylène, Paola, Axel, Amine, Enzo, Fanny, Corentin, Elliot, Baptiste et Roman sont présents chez moi, authentifiés. Les options. Les options mercatiques pour Nicolas. Je vois cette information sur le chat YouTube. Mais effectivement, je ne peux pas naviguer comme vous le voyez sur 36 chats à la fois. Paola RH. Paola RH. Très bien. Donc nous avons Chérine RH
Evanael RH, Nicolas Mercatique, Paola RH, Elliot Mercatique, Roman RH. Peut-être que les autres puissent répondre à des fins statistiques rapidement afin qu'on passe à autre chose. Amine Merca. Mercatique. Romain Mercatique. Enzo Mercatique. Marwan RH. Ressources humaines. Donc, si je fais effectivement voici. Super. Corentin Mercatique. Donc, nous avons noté. Nous avons noté Chérine RH, Marwan RH, Nicolas J'attends, Romain Mercatique, Evanael RH, Nicolas Mercatique, Thomas J'attends, Amy J'attends, Mylène J'attends, Paola RH, Axel J'attends, Amine Mercatique, Enzo Mercatique, Fanny J'attends, Corentin Mercatique, Elliot Mercatique, Baptiste J'attends, Roman RH. Ça n'a aucune espèce d'importance, c'est juste qu'on m'a demandé de noter et donc je le fais tout simplement. Ça n'a aucune espèce d'importance. Que si on me le demande, alors je le communiquerai. J'attends les réponses options pour Nicolas, Thomas, Amy, Mylène, Axel, Fanny, Baptiste. S'il vous plaît. Baptiste Mercatique. Ok. Super. Voilà. Bah, je dois dire que vous êtes largement plus nombreux que l'autre classe, hein. C'est un fait. C'est un fait qui est avéré. Je vais encore vérifier ceux qui sont présents. Je rappelle pour ceux qui font le dodo très tard et qui viennent dans la dernière heure ne sont pas comptés présents. Hein. Certains. Voilà Marie, bonjour. Et je t'ai noté présente. Si ça ne te dérange pas, tu me communiques le nom de ton option, Marie. Le nom de ton option de septembre, Marie. Et j'ai bien noté que tu étais présente. Très bien. Voilà.
Donc, Chérine RH. Marie, j'attends le nom de ton option. Marwan RH. Nicolas, j'attends le nom de ton option. Romain Mercatic. Evanaël RH. Nicolas Mercatic. Thomas, j'attends le nom de ton option. Amy, j'attends le nom de ton option. Mylène, j'attends le nom de ton option. Paola RH. Axel, j'attends le nom de ton option. Amine Mercatic. Enzo Mercatic. Fanny, j'attends le nom de ton option. Corentin Mercatic. Elliot Mercatic. Baptiste Mercatic. Roman RH. Fanny Mercatic. Voilà. Très bien. Voilà. Nous avons encore un nouvel élève, Alia. Bonjour. Et j'ai bien noté, Alia, que tu étais présente. Il me faudrait peut-être maintenant sur le chat, Alia, le nom de ton option. Donc j'ai noté, Alia, que tu étais présente effectivement ce jeudi 28/05/2020. Peut-être. Ok, oui, ça n'engage à rien. C'est juste qu'on m'a demandé de noter. Voilà. Ben, peut-être. Ouais, ben, ok, ben, je note peut-être RH. C'est juste vraiment à des fins statistiques. Et bien sûr, tu contactes ta prof principale, bien sûr, à ce sujet-là. Nicolas, gestion finance. Donc, je répète, effectivement, Chérine RH, Marie peut-être RH, Marwan RH, Nicolas gestion finance, Robin Mercatic, Evanal RH, Nicolas Mercatic, Thomas J, j'attends ton option, Amy, j'attends ton option, Mylène, j'attends ton option, Paola RH, Axel, j'attends ton option, Amine Mercatic, Enzo Mercatic, Alia, j'attends ton option, Fanny Mercatic, Corentin Mercatic, Elliot Mercatic, Baptiste Mercatic, Roman RH. Ok. Parfait. Et nous allons démarrer puisqu'il n'y a plus d'activité ni dans les mails, ni dans le chat, que ce soit sur le chat de MBN ou bien sur le chat de YouTube. Bien sûr, je compte sur vous pour avoir fait. Je rappelle que mes vidéos sont à voir et à revoir sur ma chaîne YouTube en qualité HD, comme vous le voyez sur le petit engrenage. Et je compte sur vous pour avoir fait les sources avec EduPython pour les différentes boucles, les différentes structures répétitives, à savoir le for d'une part et le while d'autre part. Et donc maintenant, nous allons reprendre le cours normal de notre cours, justement, à savoir les variables aléatoires. Vous allumez votre ordinateur et vous ouvrez un nouvel onglet. Nouvel onglet sur le manuel de mathématiques et je vais vous donner l'exercice que nous allons traiter. Alors, vous ouvrez votre manuel, s'il vous plaît, sur le numéro 25 à la page 161. Le numéro 25 à la page 161, s'il vous plaît. Où nous reprenons le cours des choses sur
tout ce qu'on a fait concernant les variables aléatoires. Un exercice synthétique qui nous refait plonger dans l'univers des probabilités et des variables aléatoires. Alors bien sûr, comme vous le voyez, les émissions sur les amphis de la 5, là avec Lumini, sont très intéressantes, et où il y a certains morceaux de films qui concernent effectivement le programme de première, mais c'est très enrichissant de suivre les cours sur la télévision comme projeté sur la chaîne numéro 5. Il y a marqué dans cet exercice numéro 25, à la page 161, non, c'est l'exercice, c'est toujours le même chapitre, jeune homme, c'est toujours le même chapitre, sinon je t'aurais dit qu'on avait changé de chapitre. C'est l'exercice 25 à la page 161. Nous nous sommes arrêtés auparavant à l'exercice 23. Voilà, nous avons fait le 23 et avec la boucle informatique au 24. Et nous continuons le fil des choses, il n'y a rien qu'à changer. C'est une continuité de tous les instants. On est juste à la suite de ce qu'on a fait auparavant, jeune homme. Il n'y a aucune question à avoir, c'est toujours le même fil. Tiens bon la voile, tiens bon le mât ou je sais pas quoi, et tu vas aller sur le fil de l'eau suivre le cours du fleuve, comme dans la chanson. Mais l'essentiel pour toi est de t'accrocher, de rester dans le bateau, même si il tangue au gré des flots. Ne tombe pas. Attache-toi, tiens bon et tout ira bien. Il y a marqué, c'est le chapitre numéro 5 comme d'habitude, chapitre 5 comme d'habitude. Ah, parce que peut-être que tu n'as pas les pages. Alors c'est chapitre 5, mais la page comme on avait vu avec... une de tes collègues, je me rappelle encore, la page est indiquée en bas. La page est indiquée en bas sur ton ordinateur. Chapitre 5, statistiques et probabilités. Chapitre 5, thème 2. Chapitre 5, thème 2, statistiques et probabilités. C'est exactement l'exercice qui suit le précédent. Je n'invente rien. Voilà. Super Axel. Super Axel Mercatique. Donc, j'attends les options, s'il vous plaît, de Thomas, Amy, Mylène, Alia. Ça n'engage à rien, mais à des fins statistiques, on m'a demandé de noter. Donc, s'il vous plaît, vous me donnez vos options. Jeunes gens, Thomas, Amy, Mylène, Alia. Voici. Et donc, ok Elliot, tu as tout trouvé, je te félicite. Et toi, tu m'as donné ton option en plus qui s'appelle Mercatique. J'aurais bien aimé que chacun, ce que je n'ai pas nommé, ah voilà, Alia Ressources Humaines. Super, et Fanny, que j'avais déjà noté, Mercatique. Voilà. Alors, ceux qui sont présents comme Thomas, Amy, Mylène, je n'arrive pas à comprendre, si ce n'est que vous n'êtes pas devant votre écran, que vous me donniez votre option. Je le demande à l'oral. Si vous ne le faites pas, ça signifie tout simplement que vous n'êtes pas présent devant votre écran. Et donc, il est juste allumé. Voici.
comme d'habitude, hein, méthode standard, nous allons noter pour s'apprivoiser le sujet, les éléments importants de ce fameux numéro 25. Dans le numéro 25, il est marqué « Pour son anniversaire, Lilou n'arrive pas à se décider pour les couleurs de sa décoration. Elle hésite encore. Dans le magasin, elle choisit au hasard une nappe en papier, etc. Ensuite, elle choisit au hasard des serviettes. » Avec un certain tarif pour chacun des éléments. Donc, on est bien en présence puisque le tarif est une valeur numérique. Si on appelle grand X, qui est le tarif de tout ce qu'elle va acheter, on est en plus complètement dans le sujet pour les premières STMG, puisque ici, il mélange les mathématiques et la finance, comme vous dites, gestion finance, ça veut dire la facturation. Tarif. Donc c'est bien ici ce tarif qui est une valeur numérique. On est bien dans le contexte, pardon, on est bien dans le contexte d'une variable aléatoire. Donc le tarif va dépendre du choix de cette Lilou. Lilou que l'on voit dans le cinquième élément, n'est-ce pas? Joué par Mila Jovovich. J'espère que vous avez vu le film et que vous avez retenu ce prénom. D'ailleurs, prénom qui a eu une poussée d'usage à la suite de ce film. Avec Jean Reno et Mila Jovovich, film de Luc Besson. Le tarif est une variable aléatoire et il va dépendre du choix de Lilou. On note grand X, la variable aléatoire, justement, égale au prix payé par Lilou. Le prix payé va dépendre de son choix et donc c'est une variable aléatoire. Très bien. Dans cet exercice, on gardera les résultats exacts sous forme décimale. Construire un arbre pondéré. Donc ça, c'est quelque chose qui fait maintenant partie de votre ADN à chaque fois que vous voyez, un exercice sur les probabilités. On fait toujours, c'est carrément mon expression, si vous retenez exactement la manière que j'ai de parler, toujours arbre pondéré représentant la situation. Arbre pondéré représentant la situation. Alors, cette fameuse Lilou, qu'est-ce qu'elle va choisir dans ce magasin? Quel est son choix? Elle va choisir une nappe parmi quatre nappes. Et pour chacune de ces nappes, elle va choisir... Voilà, Thomas, j'ai eu ton option mercatique. Voilà. Voici, très bien. Il me reste Amy, s'il vous plaît. Mylène, s'il vous plaît. Amy et Mylène, s'il vous plaît. Vous me donnez, s'il vous plaît, votre option. Justine, mercatique. Justine, est-ce que tu as répondu au mail dans MBN? Alia RH, c'est déjà noté. Voilà, Justine, à part le chat de MBN, s'il te plaît, Justine, tu vas là-bas dans... espace de... dans ta messagerie. Juste en dessous de accueil. Dans ta messagerie, juste en dessous de accueil,
tu réponds au mail. Voici. Très bien, Thomas. Une fois que Lilou a choisi sa nappe, elle va choisir parmi deux types de serviettes, si bien que nous avons un embranchement à deux voies pour chacune des nappes. Vous faites ça sur un papier quadrillé et vous avez comme ceci à la fin 4 x 2, vous avez 8 résultats. La nappe peut être blanche, elle peut être grise, elle peut être verte, elle peut être rose. Les serviettes peuvent être blanches ou grises, blanches ou grises, blanches ou grises, blanches ou grise. Ensuite, vous avez deux choses que vous pouvez faire sur, à noter sur les branchettes. À noter sur les branchettes, c'est la probabilité, merci pour la mention, c'est la probabilité d'arriver de chacune de ces couleurs de nappe et de chacune de ces couleurs de serviette. Les probas sont indiquées sur le manuel, vous avez 30% ici pour la blanche, 25% pour la grise, 25% pour la verte. Le restant, vous faites la somme, 50 plus 30, ça fait 80. Et donc forcément ici, c'est 20%. Ensuite, vous avez 75% pour les blanches, 25% pour des serviettes grises. Et ceci, quelle que soit la couleur de la nappe. Et donc, vous reproduisez 75%, 25% de manière systématique. Voilà, on a une heure qui est déjà passée. On va prendre une petite pause de 5 minutes et je reviens juste après. Thank you.
Voilà, nous allons reprendre. Me restait à noter les options de deux personnes. Donc, il me restait l'option notée. J'aimerais avoir l'option de Amy et Mylène. J'aimerais avoir l'option de Amy et Mylène, puisque je la demande déjà depuis un certain temps et je ne l'obtiens pas. Ce qui me permet effectivement de douter de la présence de certains devant leur écran. Alors voici que nous revenons à notre Lilou pour traiter cet exercice. Voici l'arbre pondéré et bien sûr, je vous invite sur un arbre pondéré comme on l'avait fait ensemble à l'époque de remplir plusieurs colonnes. En l'occurrence, première colonne, ça va être les probabilités, 30%, 75%. On a le droit, je vous rappelle, de faire la multiplication. Donc, vous prenez votre machine à calculer et vous tapez 0,3 fois 0,75 qui vous donne 0,225. Ensuite, vous tapez 0,3 que multiplie 0,25 et vous tapez, vous obtenez 0,075 et ainsi de suite. 0,25 fois 0,75 qui vous donne 0,1875. 25% fois 25%, ça fera sur votre machine à calculer 0,25 que multiplie 0,25. Ce qui vous donne 0,0625, il est marqué de donner le résultat. Il est marqué de donner le résultat en décimal. Et vous continuez ainsi. Ici va venir s'inscrire 0,1875. 25 fois 25 en pourcent, ça fait 0,0625. Et ainsi de suite. Ici, vous tapez 0,2 fois 0,75 qui vous donne 0,15. Et enfin, 0,2 fois 0,25 qui vous donne 0,05. Je vous rappelle que pour être protégé d'une éventuelle erreur, vous faites la somme de toutes ces probas, donc vous prenez votre machine, 0,225 plus 0,075
plus 0,1875, plus 0,0625, plus 0,1875, plus 0,0625, plus 0,15, plus 0,05, nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur, et donc en faisant la somme, vous vérifiez et vous montrez au correcteur par une petite coche verte que vous avez bien fait la somme et vous avez bien retrouvé 1. Oula, je vais en gestion finance, Amy. Parfait. Parfait. Gestion finance. T'inquiète. Qu'est-ce qu'il a eu ton ordinateur? Il me reste Mylène, s'il vous plaît. Mylène, option de Mylène, s'il vous plaît. Option de Mylène. S'il vous plaît. Option de Mylène. Voici. Alors, donc vous avez fait la somme, vous avez fait la somme et vous avez trouvé 1. Ça, c'est parfait. Vous avez fait la somme et vous avez trouvé 1. Maintenant, ce que l'on peut ajouter ici en écriture verte sur ce que on peut ajouter en écriture verte sur cet arbre pondéré, ça va être le tarif. Donc ici, nous avons blanc 1 euro, gris 1,5, vert 2 et ici 2,5. 1,5 en vert pour le prix en euros. 1, 1,5, 1, 1,5, 1, 1,5, 1. Et donc, vous avez la possibilité, et je vous conseille de le faire, de noter effectivement le tarif dépensé pour acheter les nappes et les serviettes. Ça va vous donner ici 2,5 euros, ici 2 euros, ici 3 euros, ici 2,5 euros, ici 3,5 euros en faisant la somme de 2 et de 1,5, ça veut dire le prix de la nappe plus le prix des serviettes. Ici, vous allez obtenir 3 euros puisque la nappe coûte 2 euros et la serviette coûte 1 euro. La somme fera 3 euros. Vous notez l'unité que c'est des euros. 2,5 plus 1,5, ça fait 4. Et enfin, 2,5 plus 1, ça fait 3,5 euros. Voici l'arbre pondéré. Nous avons répondu plus qu'il n'en fallait pour la question petit a. La question petit b, à l'aide de l'arbre déterminer les valeurs prises par x, eh bien j'y ai répondu même sans qu'on me le demande. Ben, les valeurs prises par x, c'est-à-dire les valeurs prises par x sont, bien sûr, à chaque fois que vous avez une question académique, eh bien, vous répondez par une réponse académique. Il peut y avoir un prix de 2 euros, il peut y avoir un prix de 2,5 euros, de 3 euros, de 3,5 euros ou de 4 euros. Tout ce qui a marqué ici sont les valeurs possibles pour l'achat, pour la facture de l'anniversaire de Lilou.
Calculez, question suivante. Calculez P de X égale 3. P de X égale 3. Alors, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Le tarif, il va être de 3 euros. Et on veut savoir ce que vous avez fait l'année précédente. À l'inventaire, il n'y a pas qu'un seul événement qui réalise 3 euros. Il va falloir faire l'inventaire des différents événements qui réalisent 3 euros, comme je vous le montre sur YouTube, à savoir la fleurisation des chemins qui aboutissent à 3 euros. Mais c'est pas tant. Ce que l'on vous demande n'est pas une question sur les nappes et les serviettes, c'est une question sur le tarif. L'année dernière, on vous aurait demandé quelle est la probabilité d'avoir une nappe grise et des serviettes blanches. Mais ici, on vous demande quelle est la probabilité d'avoir une facture de 3 euros. La facture de 3 euros est atteinte par deux événements. Vous avez une première conjonction d'événements qui est d'avoir une nappe grise et des serviettes blanches ou bien des nappes vertes avec des serviettes grises. Donc à partir de là, la probabilité va être égale à 0,1875 plus 0,0625. Un problème de son. Voici. Donc vous faites la somme de ces deux probas. Voilà, vous faites la somme de ces deux probas et vous obtenez avec votre machine à calculer 0,1875 plus 0,0625 qui vous donne 0,25. N'oubliez pas de donner tous les résultats. Bon, ici c'est marqué en décimales, mais nous avons l'habitude, merci pour l'abonnement, mais ici nous avons l'habitude de donner aussi le résultat en pourcentage. Il y a marqué dans la question suivante, d'interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Ça veut dire tout simplement qu'il y a 25% de chance que la tarification de cette... Il y a 25% de chance que la tarification de cet anniversaire de Lilou soit de 3 euros. Enfin, pour nous remettre un peu dans le bain, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le calcul de E de X. Je vous rappelle que E de X, ça, c'est l'espérance. On avait noté l'espérance
qui correspond à la moyenne de la tarification. Alors, comment on fait pour calculer l'espérance dans un tel exercice? Il n'y a pas à tortiller, c'est juste une formule. Donc, tenez-vous droit. Nous allons écrire la formule de l'espérance qui est la suivante. E de x est égal à sigma des pi xi à condition de connaître qui sont les pi et qui sont les xi. Pour ce faire, on doit remplir la loi de probabilité. Qui est un tableau que l'on écrit communément horizontalement, comme ceci, avec la première ligne qui est XI, la deuxième ligne c'est PI, et vous devez faire l'inventaire. L'inventaire, on l'a déjà fait ensemble, c'était 2,5 euros, 3 euros, 3,5 euros et 4 euros. Cependant, il va falloir maintenant comptabiliser, ou en tous les cas calculer la probabilité de chacun de ces tarifs. Le 2 apparaît avec 0,075%, enfin 7,5% de chance. Le 3 apparaît avec 25% de chance, nous l'avons calculé ensemble tout à l'heure. Le 2,5, ben vous faites la somme, donc vous prenez votre machine à calculer, et vous faites la somme des nombres décimaux qui sont les probabilités de 2,5. Donc je vous les montre ici, il faut bien lire, ce que vous avez écrit auparavant, à savoir la proba d'un côté, le tarif de l'autre, et la ligne de votre loi, c'est bien des probas. Donc vous faites 0,225 plus 0,0625 qui sont les deux probas qui aboutissent à un tarif de 2,5, ce qui vous donne 0,2875. Ici vous mettez 0,2875. Pour 4 euros, il n'y a qu'une seule configuration qui aboutissent à 4 euros et c'est 0,15 pour la proba. 3,5, nous avons deux configurations. Vous voyez qu'il y a deux fois une configuration de nappe et de serviette qui vont coûter 3,5 euros. Et donc, vous faites la somme des probabilités 0,1875 plus 0,05 qui vous donne 0,2375. Il serait judicieux de revérifier ce qu'on appelle en français la condition d'homogénéité. La condition d'homogénéité, c'est de dire que la somme de toutes les probas que vous voyez ici doit faire 1. Je vous invite à vérifier ceci pour rester à l'abri d'une et éventuelle erreur que vous ne commettrez pas, bien sûr que non. Et donc, en faisant la somme, on vérifie, on a bien, donc vous marquez au correcteur, on a bien sigma des PI qui est égal à 1. On a bien sigma des PI qui est égal à 1, c'est ce qu'on appelle en français la condition d'homogénéité.
Donc, nous avons rempli la loi de probabilité. Hein. Le problème, il faut le refaire parce que c'est le résumé total de tout ce qu'il faut savoir faire. Ce problème, je répète, est le résumé total de tout ce qu'il faut savoir faire. Alors, pour bien comprendre les histoires de XI, PI, ben ça veut dire que c'est X1. Ça veut dire que c'est X2. Ça veut dire que c'est X3, comme dans les suites, en fait. Ça veut dire que c'est X4. Ça veut dire que c'est X5. Voilà cette histoire de XI. Quelque part, on peut écrire que X1 est égal à 2, X2 est égal à 2,5, X3 égale 3, X4 égale 3,5 et X5 est égal à 4. Il y a 5 factures possibles. Il y a 5 montants de tickets de caisse possibles. Dans le même esprit, pour que les choses soient bien claires ici, en premier, restez MG2, puisque je m'aperçois que vous êtes largement plus nombreux que les premières STMG1, eh ben on donne effectivement ce détail-là pour bien comprendre c'est qui les XI et c'est qui les PI. Alors, de temps en temps, on démarre à 0 comme en informatique. De temps en temps, on démarre à 1. Mais ceci n'est pas grave, c'est que l'indice, c'est que à un X1, nous avons un P1 correspondant à un X2 qui vaut 2,5, nous avons un P2 correspondant, etc. À un X5 qui vaut 4, nous avons un P5 correspondant qui vaut 0,15. Et donc maintenant, c'est bien plus clair, cette histoire de loi de probabilité avec les XI et les PI. Il ne nous reste plus qu'à écrire le détail du calcul, E de X qui est égal à la somme des PI XI. Ben, en vérité, si vous explicitez cette lettre grecque sigma majuscule, ça va s'écrire P1 X1 plus P2 X2. Ici, je donne tout le détail. Il faut vraiment revoir ce film puisque là, nous avons absolument tout le détail technique du calcul effectif avec moult précision. P1 X1 plus P2 X2 plus P3 X3 plus P4 X4 plus P5 X5 qui nous donne 0,075 que multiplie 2 plus, alors P2, ça va valoir 0,2875 que multiplie 2,5 plus 0,25 que multiplie 3 plus P4 qui vaut 0,2375 que multiplie 3,5 euros plus 0,15 que multiplie 4 et le résultat est en euros. Alors bien sûr, c'est un calcul qui est fastidieux, c'est pour ça que je donne le détail total devant vos yeux et que je vous invite à prendre votre machine à calculer pour le faire. On y va ensemble. On prend la machine à calculer et on tape 0,075 que multiplie 2 plus 0,2875 que multiplie 2,5 plus 0,25 que multiplie 3 plus 0,2375 que multiplie 3,5 plus 0,15 que multiplie 4. Et ça donne
3,05. Merci sur le chat de me confirmer que c'est ce que vous trouvez. Nous obtenons 3,05. Essayez, s'il vous plaît, de me confirmer sur le chat que vous avez fait ce calcul et que vous avez obtenu comme moi. Voici donc le détail exhaustif du calcul de l'espérance, à savoir la moyenne de la tarification de l'anniversaire de Lilou. En moyenne, elle va dépenser 3,05 euros pour acheter ses nappes et ses serviettes. Ah, super, merci Romane. Mais tu veux le balancer, Amy, ton ordinateur, depuis le combientième étage? Si tu le balances depuis le rez-de-chaussée, ça va pas le faire. En revanche, si tu le balances depuis le sixième étage, ça peut être intéressant. Merci, Romane, d'avoir obtenu le même résultat. Voilà un exercice qui fait ce qu'on appelle le résumé total, que je vous invite tous. Roman vient de le terminer. C'est vraiment un exercice synthétique. Et il faut vraiment maîtriser ces notions que l'on a vues ensemble depuis maintenant un bon moment. J'aurais bien aimé avoir plus qu'une élève, Roman, qui ait trouvé comme moi. S'il vous plaît, essayez de le faire. Super, Roman. Ah oui, d'accord. Bon, alors n'oublie pas de lui mettre un masque et un tuba. Bon, mais c'est cool, Amy. Voilà un exercice synthétique qui fait, disons, le tour de la question que je vous invite à faire et à refaire. Alors, nous allons passer à autre chose. Toujours, il est plus facile pédagogiquement. C'est marrant. Tu as compris le coup du masque? De toute façon, on fait tous des appels masqués en ce moment, de toute façon. Bon, celle-là, elle était facile. Elle était facile, mais bon, faut bien que je la fasse. Alors, on va passer. Donc là, on a terminé, disons. Ça, c'est une grande révision qu'on a faite ici. Sur ce qu'il y a à savoir, disons, sur
les variables aléatoires, etc., etc. Alors maintenant, nous allons passer à autre chose, puisque lorsque vous avez des probabilités, vous avez toujours à côté, disons, quand vous achetez des livres de proba, c'est statistiques et probabilités. Il va falloir que l'on re-rentre dans un monde un peu de statistiques. De toutes les manières, il y a des pontages entre ces deux notions, puisque on vient de dire que l'espérance, c'est la moyenne. Le mot espérance est un mot du cours de proba, mais quand on dit l'espérance, c'est la moyenne, si vous vous rappelez comment vous avez utilisé votre machine à calculer dans la leçon sur les statistiques, le mot moyenne, x bar, est un mot relatif au domaine des statistiques. Alors, j'aimerais faire avec vous, pour se remettre un peu dans le langage, puisqu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux concepts, il va y avoir des nouvelles terminologies, et malheureusement, c'est de temps en temps à cause de la terminologie que les jeunes et les moins jeunes n'arrivent pas à saisir le sujet. Et donc, au travers, puisque vous n'êtes pas devant moi pour que je puisse faire un cours magistral, au travers de l'exercice 36 à la page 163, toujours dans le même chapitre, je vais essayer de vous donner les rudiments de cette nouvelle terminologie qui est plus liée au module sur les statistiques. Souvent, les probas sont associés, c'est probastat. On fait un cours de probastat. C'est quoi probastat? Probastat, ça veut dire probabilité et statistique. Voici la notion de fréquence. Il y a marqué la notion de fréquence. Alors bien sûr, nous allons donner la définition d'une fréquence. Fi est égal à Ni sur grand N. Lorsque nous avons une formule, il faut donner la signification de chacune des lettres. F, comme son nom l'indique, c'est la fréquence exprimée en pourcentage. N, c'est l'effectif partiel, donc ici c'est la fréquence partielle, par exemple dans une classe d'élèves où il y a des filles et des garçons, j'aimerais connaître la fréquence des filles et la fréquence des garçons. Ça, c'est l'effectif partiel. Et bien sûr, grand N, comme son nom l'indique, c'est l'effectif total. Donc, vous avez comme définition que la fréquence est égale à l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Quelque part, on peut prendre comme synonyme de fréquence, synonyme c'est pourcentage. Alors, il est marqué dans l'exercice 36, une classe étudie le lancer d'un dé cubique classique. Chaque élève lance 100 fois son dé et regarde combien de fois il contient le 6. D'ailleurs,
vous avez une appli sur le smartphone qui s'appelle Dice, que lorsque nous sommes ensemble, nous le faisons. C'est donc une appli que vous secouez votre téléphone comme s'il y avait des dés dans votre téléphone. Et lorsque vous posez, vous arrêtez de bouger votre téléphone, eh ben, vous avez le résultat du tirage de vos dés. Donc, Elliot, Amy et tous les autres, vous essayez d'installer cette appli Dice. Cette appli Dice qui va simuler le lancement de dés avec un smartphone. J'autorise l'utilisation du smartphone pour bien apprécier les phénomènes de probabilité. Une appli très sympa qui permet de simuler le jet de un ou de plusieurs dés avec un smartphone. Alors ici, je rappelle pour ceux qui débarquent à la deuxième heure, qui ne sont pas notés présents. On ne peut pas débarquer comme certains ou certaines l'ont fait à 11h55. De fixer les idées. Et donc ici, il y a marqué quelle est la fréquence maximale de 6 obtenus et la fréquence minimale. Ah, c'est compliqué parce que on vous demande des fréquences. On vous demande des fréquences alors que les données qui sont devant vos yeux, ce sont des N, ce sont des nombres, de nombre de fois. On dit en français des nombres d'occurrences. C'est les nombres d'occurrences du chiffre 6. Alors on y va ensemble. Une classe étudie le lancer d'un dé cubique classique. Chaque élève lance 100 fois son dé et regarde combien de fois il obtient le 6. Voici le résultat. Par exemple, l'élève numéro 1, il a obtenu 14 fois le 6 sur 100. 14 sur 6. 16 sur 6. 16 sur 100. L'élève numéro 24. Donc finalement, il faut vraiment se mettre dans la peau du personnage, si je puis dire, et vous avez le droit de rester jusqu'à la fin de l'heure au lieu de passer de 20 visionnaires à 12 visionnaires. J'appelle, comme en vrai français, ceux qui visionnent, non pas des visionneurs, mais des visionnaires. Alors, la fréquence maximale ici, on va l'appeler max, F max. Ben, si vous remarquez bien la formule, la fréquence, ça va être pour le nombre maximum. Il va falloir choper l'élève qui a sorti le plus de 6. Et donc, vous allez comparer chacun des effectifs et vous arrêtez au niveau du N max.
100 fois. 14, 16, donc c'est 16, 13, 18, c'est 18, 17, c'est 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Donc la fréquence maximale va être de 23 divisé par 100, à savoir 0,23. Ensuite, il y a marqué fréquence minimale. La fréquence minimale, donc c'est quelqu'un qui a eu de la chance. Attention, c'est très complexe à bien comprendre. Le N minimum, c'est celui qui a tiré le moins de fois des 6. Ben, c'est 14, c'est 13, c'est 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, même il y a 11. 11 sur 100. Et bien sûr, c'est possible. Et donc, 0,11 soit 11%. Nous apercevons que la fréquence des 6 dans ce jeu-là, pour 24 élèves, évolue entre 11% et 23%. Et qui va s'écrire comme ceci. F est élément de 11%, 23%. Comparer ces fréquences avec la proportion théorique. Alors là, c'est l'enjeu. C'est pour ça qu'ils vous font cet exercice. C'est l'enjeu de bien comprendre que les phénomènes dans lesquels nous vivons, ce sont des phénomènes en général aléatoires. La fréquence théorique, c'est bien sûr 1 divisé par 6, puisque c'est un dé à 6 faces non pipé. Il y a une seule face qui est le 6 sur 6. Et voilà, juste avant de se quitter pour aujourd'hui, ça va faire 0,16. Donc en vérité, il y a la fréquence théorique et la fréquence pratique si vous faites des expériences qui peut osciller entre 11% et 23%. Nous allons devoir malheureusement nous arrêter d'être ensemble aujourd'hui. Vous poursuivez un tant soit peu cet exercice pour rentrer dans une nouvelle terminologie. Je vous rappelle que demain, le cours est reporté à mercredi prochain. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir. Thank you.